Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des programmes de la semaine. Et cette semaine, on va parler des programmes entre le 11 et le 20 janvier prochain. Et ça, on en parle juste après le générique, évidemment. Et on commence donc cette émission avec samedi 11 janvier. Vous allez retrouver un tout nouveau numéro inédit de la chanson secrète présenté par Nikos Aliagas, un tout nouveau numéro inédit sur TF1 qui sera toujours en concurrence avec Boyerland, là aussi un tout nouveau numéro inédit à 21h présenté par Olivier Mine et Willy Rovelli. Sur TFX enfin, vous avez rendez-vous avec Chronique Criminelle, un tout nouveau numéro de votre magazine de faits divers en inédit à 21h présenté par Julie Denayer. Le dimanche 12 janvier, vous avez rendez-vous sur France 2 avec votre film Le Petit Paysan, un drame français, première diffusion en clair à la télévision française. Ce sera donc sur France 2. Sur M6, vous avez rendez-vous avec un tout nouveau numéro inédit de Capital présenté par Julien Courbet en inédit. Sur Gulli, ce sera la diffusion d'un nouveau numéro de E égale M6 Family présenté par Mac Lesguy et Gaël Marie en inédit. Enfin sur TMC, c'est le retour des Mystères de l'Amour, la saison 22, à partir de 20h. Le lundi 13 janvier prochain, c'est la suite de votre série Sam, la saison 4, avec deux épisodes inédits par soirée. Sur France 2, c'est la suite de la diffusion de votre série Les Rivières Pourpres, la saison 2, avec deux épisodes inédits par soirée également. Sur France 3, c'est un tout nouveau numéro inédit de Secrets d'Histoire, présenté par Stéphane Bern, là aussi en inédit. Sur M6, c'est la suite de la diffusion de la suite de votre télé-réalité Marié au premier regard, la saison 4 avec deux épisodes inédits par soirée. Énergie 12 diffusera quant à elle Crime et Faits divers, le Prime en direct, présenté par Jean-Marc Morandini évidemment. Sur TF1, en journée, c'est la diffusion et le retour de Petits secrets entre familles en inédit. La Cryptid Reality sera diffusée à partir de 10h sur TF1 en inédit. À 17h, vous avez rendez-vous avec la saison 2 des Plus belles mariées, la saison 2 de l'émission présentée par Karine Ferry en inédit. Et enfin, sur France 2, c'est le retour attendu de Faites entrer l'accusé. La saison 20, c'est le lancement de la saison 20, à 22h45 en inédit sur France 2. Le mardi 14 janvier, c'est la suite de votre série MacDom, le reboot de la série culte, avec la première saison avec 3 épisodes inédits par soirée, là encore. Sur France 3, c'est un nouveau prime d'affaires conclues, c'est un spin-off, le duel des brocanteurs, présenté par Sophie Davant en inédit. Sur M6, le lancement de la nouvelle émission de Julien Courbet, Qui veut être mon associé, en inédit, là aussi sur la chaîne. Enfin sur W9, c'est Mylène Farmer, le live 2019, un concert inédit, à suivre sur W9 donc. Le mercredi 15 janvier, vous avez la suite et la fin de votre série et de la saison 1 de la série New Amsterdam avec 3 épisodes inédits pour conclure votre série médicale. Sur M6, c'est la diffusion de Maison à vendre, le magazine de Stéphane Plaza en inédit. Sur C8, vous avez le traditionnel Enquête sous haute tension présenté par Carole Rousseau en inédit, et sur W9, Enquête criminelle, avec Nathalie Renoux en inédit là aussi. Sur TFX, c'est le lancement de la nouvelle émission Cleaner, les experts du ménage, avec deux épisodes inédits. C'est un petit peu c'est du propre, mais en version 2020. Le jeudi 16 janvier, c'est la suite de votre série Peur sur le lac, la série avec Julie Denayer et Lannick Courtry continue avec deux épisodes inédits sur la une. Sur France 2, c'est le traditionnel Envoyé spécial présenté par Élise Lucet en inédit. Sur C8, c'est TPMP le jeu qui sera diffusé avec Cyril Hanouna à 21h. La nouvelle émission de l'animateur continue donc sur C8. Sur TFX, c'est la saison 3 avec deux épisodes inédits de Tattoo Cover, Sauveur de tatouage en inédit. Sur Énergie 12, vous avez le traditionnel diffusion du magazine de faits divers Héritage avec Jean-Marc Morandini en inédit. Sur RMC Story, un autre magazine de faits divers qui est en face avec Non Élucidé, la saison 2 en inédit. Sur M6, vous avez la diffusion de la série FBI, la première saison avec 3 épisodes inédits. Et enfin sur Sister, c'est Familles Extraordinaires présenté par Élodie Gossoin en inédit. Et enfin le vendredi 17 janvier, vous avez la diffusion d'un Vendredi Tout est permis spécial C'est que du bonheur, l'association de Omar Sy qui sera présent sur le plateau d'Arthur, un numéro en inédit à retrouver sur la une à 21h.
Sur C8, c'est la nouvelle émission La Grosse Rigolade de Cyril Hanouna en inédit, qui fera pas sur la TNT, pardon, Enquête d'action présentée par Marie-Ange Casalta en inédit sur W9. Et enfin, sur C'est Star, la diffusion d'un tout nouveau et de deux tout nouveaux épisodes de la première saison de Ghost Adventures, rencontre paranormale sur C'est Star. Voilà donc pour tous les programmes de la semaine entre le 11 et le 17 janvier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.